Et pour nous, nous avons profité encore de ces jours pour encore faire passer notre message et demander que la MONUSCO puisse partir parce que on vient encore de le propos même du secrétaire des Nations Unies vient encore de démontrer combien des fois la MONUSCO est faible et n'est pas capable de sécuriser la population. Et c'est pour cela que nous continuons à demander son départ et que nous exigeons aussi à l'État congolais à être prêt et à disponibiliser les moyens pour en fait éradiquer tous les groupes armés, et y compris le Rwanda qui, à travers l'M23, est en train d'agresser notre pays. Alors, vous allez continuer à réclamer le départ de la MONUSCO jusqu'à quand? Nous avons commencé à démontrer la faiblesse de la MONUSCO depuis 2013-2014 et nous avons même proposé des pistes de solutions. Nous avons vu même une présence de la brigade d'intervention dont la brigade avait même, avec les FRDC, ils ont même arrivé à mettre hors d'état de nuire le M23 à 2013. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir la MONUSCO qui n'agit même plus. Même cette brigade qui était là pour agir, la même brigade n'agit plus. Et pour cela, nous avons compris que la MONUSCO n'est pas là pour ramener la paix. La MONUSCO n'est pas là pour travailler pour que nous puissions avoir la paix dans notre pays ou dans la région est de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que nous continuons à demander que la MONUSCO puisse partir parce que leur présence ici est en train de déresponsabiliser notre gouvernement, notre armée. Et donc, lorsqu'on saura qu'il n'y a plus cette mission qui était venue pour apporter l'aide aux FRDC, n'est plus là. Nous serons là et nous serons capables, nous-mêmes, en tant que Congolais, en tant que peuple, de mettre hors d'état de nuire ces rébellions qui continuent à tuer et à causer de morts dans notre pays. Comment vous qualifiez les propos d'Antonio Guterres sur la situation sécuritaire à l'est du Congo? Ce que j'ai dit, le propos du secrétaire des Nations Unies vient encore de démontrer la faiblesse des Nations Unies. Ce n'est pas normal, et d'ailleurs, c'est mon cœur de nous, peuple congolais, parce que ce n'est pas normal qu'une grande personnalité comme Antonio puisse dire de tels propos, puisse commencer à nous montrer que la MONUSCO n'est pas capable, ou le M23 est plus surarmé que les Nations Unies, que même les FRDC. Pour nous, c'est mon cœur de nous, peuple, qui continue à revendiquer la paix. Et ça démontre que la MONUSCO est faible, la communauté internationale n'est pas là pour nous aider, mais elle est là pour se moquer de nous, la population congolaise, et nous, on ne doit pas accepter que nous restons avec une telle force pour nous distraire et pour déresponsabiliser notre armée ou nos FRDC. Vous avez suivi les discours du président Tshisekedi au niveau des Nations Unies. Il a encore, une fois de plus, condamné l'agression rwandaise sur les sols congolais. Comment vous analysez ce discours? Oui, c'est bien. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on continue à dénoncer. Mais nous devons aller au-delà des dénoncer. Il y a le Rwanda qui est là, à travers le M23, qui est à Rutshuru, qui occupe Bunagana jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que l'armée est en train de faire? C'est juste l'armée joue au défensif. Et pourtant, ce n'est pas normal que devant une agression, que l'armée puisse juste attendre qu'elle puisse être attaquée. Normalement, on devrait attaquer le M23. Et nous sommes capables de mettre hors d'état de nuit le M23 et le Rwanda. Mais pourquoi on ne lance pas les opérations pour attaquer? Mais on est là juste pour attendre et que le président continue à dénoncer. Le président, il n'est pas la lucha, le président, il n'est pas juste un citoyen simple pour dénoncer, mais il est là pour agir. Il a la capacité, il a la force, et donc il est temps que le président puisse agir et ne pas seulement rester en train de parler, de dénoncer comme tout un citoyen qui peut dénoncer. Dernière question, les démocrates et FRDC arrêtés, accusés de trahison. Comment la lucha analyse cette arrestation? Est-ce qu'un état de droit pour ne pas le régime actuel ou l'arrestation de
de quelqu'un ou un officier qui est cité dans le détournement des fonds, dans la complicité contre notre pays, je crois que c'est déjà un pas. Parce que ça démontre qu'il y a quand même les gens qui au moins attendent quelque chose de ce que nous dénonçons chaque jour. Nous avons dénoncé que dans nos FRDC, il y a des gens, il y a des officiers qui continuent à comploter contre notre pays, contre la sécurité de notre pays. Et nous avons été arrêtés à cause de cela, parce que nous dénonçons. Mais aujourd'hui, on vient encore de montrer une fois de plus que ce que nous disons, ce que nous dénonçons en tant que population, c'est vrai. Et il y en a beaucoup, il y a encore d'autres officiers qui sont là, qui sont cités dans des rapports, et je crois qu'il est temps que toutes ces personnes, tous ces officiers puissent être arrêtés et que la paix puisse être une priorité pour nous et pour le gouvernement et que nous puissions avoir la paix dans notre pays. Merci. Merci aussi. Alors, quant à nous, les Congolais, nous ne saurons pas comment... Yangali. Nous ne saurons pas vraiment comment célébrer cette paix pendant que nous sommes en train de mourir. Raison pour laquelle nous sommes là pour manifester, pour montrer notre mécontentement par rapport à nos frères qui sont en train d'être tués dans l'Ituri, à Beni et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Alors selon vous, parce que vous voyez un message jauni, grand malheur pour la RDC, ça symbolise, ça signifie quoi? Non, vous savez, d'ailleurs, la fois dernière, vous avez suivi avec moi lors d'un reportage du secrétaire général des Nations Unies à qui il a reconnu leur faiblesse par rapport aux casques blés des Nations Unies qui sont ici dans notre pays. Raison pour laquelle nous avons encore rappelé par cette croix, on disait que l'ONU était grand malheur dans notre pays. Un grand malheur pourquoi? Ils sont dans notre pays pendant plus de 21 ans. Mais vous savez, ils étaient là pour rétablir la paix. Mais malheureusement, depuis les plus de 20 ans dans notre pays, il n'y a que l'insécurité qui règne. Raison pour laquelle nous sommes en train de rappeler aux Nations Unies qu'ils viennent récupérer leur casque bleu, leur contingent qui sont dans notre pays est parti. Puisque nous ne voulons pas voir les casques bleus des Nations Unies dans notre pays suite à leur incapacité de rétablir la paix. Et vous avez suivi également les propos, les discours de Président Tshisekedi qui a encore une fois de plus dénoncé l'agression rwandaise. Comment vous analysez ce discours? Non, moi je pense que pour le président Félix, nous ne pouvons pas quand même l'encourager. Les discours, bon, c'est bien pour certains, mais pour nous, nous ne voyons pas que non, c'est bien. Les Nations Unies elles-mêmes ont reconnu que non, ils n'ont pas la capacité de faire face aux groupes armés, notamment les groupes rebelles qui occupent la cité de Bunagana. Et la cité de Bunagana n'est pas occupée par un groupe armé inconnu. Ce sont les forces rwandaises qui sont dans les pays. Mais lorsque le président Félix part aux Nations Unies, accuser les Rwandais, au moment que non, les Rwandais restent comme un pion des Nations Unies dans notre pays. Pensez-vous que non, il y aura vraiment une suite? Alors, cette accusation du président Félix au Rwanda, nous voyons que non, ce n'est non événement pour le monde. Maintenant, aujourd'hui, vous manifestez concrètement et pour demander quoi concrètement? Aujourd'hui, nous manifestons d'abord pour demander la paix et demander le départ immédiat des Nations des Nations Unies. Mais aussi, nous demandons aussi la levée immédiate de l'état de siège à qui ils ont montré leur inefficacité pendant plus d'une année qu'ils sont là. Merci. Hapa tuko Goma. Ni kwamba hali ya usalama hapa imekuwa ya wasiwasi. Vijana wakisema kwamba wataandamana juu ya MONUSCO. Wewe kama mshirika kiraia, unaonaje hii hatua ya vijana kusema kwamba wanaandamana kupinga MONUSCO? Kwetu kusema kuwa hali hii si hali ya ni hali ambayo imeshurutisha raia kuwa na mwenendo ambao ni wa kuomba amani katika maeneo haya yote. Unajua kama maeneo yetu haya yote yana ukosefu wa amani. Na kama vijana wamesema wataandamana leo ni kusema kuwa wanaenda kupaliza sauti kualika viongozi waweze kutafuta suluhisho kwa swala ambalo ni la amani katika maeneo haya yote ambamo tunaishi. Wengine unaona pengine MONUSCO kaondoka itasaidia lolote? Kwa sababu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa yeye mwenyewe amehakikisha kuwa MONUSCO haina nguvu zozote ambazo zinaweza kutusaidia kuwafukuza waasi wa M23 ambao wanasaidiwa na Rwanda na Uganda. Na sasa tutabaki na kikosi ambacho hakitaweza kutusaidia, nikusema kuwa hiyo yote ni shida. Wao pia wanapasha inapasha kikosi hicho kiondoke. Tuhakikishe kuwa tutashipigania sisi wenyewe pasipo kuzani kuwa kuna yule ambaye atatusaidia tena. Asante.
Alors, M. Zilamba, décris-nous la situation ce matin ici à Goma. La situation telle qu'elle se présente ce matin, elle est timide. D'abord, les activités n'ont pas encore repris et tout le monde est en train d'observer afin de respecter l'appel à la journée ville morte. Et c'est pourquoi vous voyez toutes les activités sont timides sur toute l'étendue de la ville. Pourquoi cet appel? Cet appel est consécutif à la situation sécuritaire qui prévaut dans la province et particulièrement au territoire de Rutshuru où le M23 fait plus de 3 mois dans la cité de Bunagana et dans d'autres entités qui sont sous leur emprise. Alors, aujourd'hui, on a appelé la population à observer ces journées ville morte. C'est pour appeler les autorités à chercher une solution immédiate à toute cette crise sécuritaire qui a longtemps duré. Est-ce que là, le départ de la MONUSCO est toujours à l'ordre du jour? Effectivement, c'est à l'ordre du jour parce que c'est une force qui est inutile aujourd'hui. Et c'est une force qui ne peut pas aujourd'hui nous donner confiance parce que leurs responsables ont dit qu'ils n'ont rien pour faire face au M23 et tous ses alliés. Donc c'est une force inutile pour nous. On a vu l'autorité peine interdire la manifestation sur la voie publique. Qu'est-ce que vous craignez, vous, en tant qu'organisation qui aura appelé à observer des journées ville morte? Bon, nous pensons que ce sont des autorités qui jouent plus le jeu de l'ennemi. Parce que tout simplement, la population, si elle veut dire tout haut ce qu'elle est en train de subir, je ne trouve pas une autorité consciente et responsable en train de l'interdire. Parce que tout simplement, il est de leur responsabilité de garantir la paix et la quiétude à la population. Donc quand il dit, lui, il refuse, ça montre très bien que non, ils sont dans un deal que nous ne maîtrisons pas, mais c'est pourquoi nous allons leur forcer la main pour aller nous donner la paix. Message à la population. Donc nous demandons à toute la population de rester calme à la maison et en train d'observer ces journées ville morte parce que tout simplement, il en va du salut de ce pays. C'est seul le peuple qui va libérer ce pays. Les autres, là, c'est une distraction. Depuis presque 3 décennies, nous sommes sous agression du Rwanda et alors que nous parlons, Bunagana est sous occupation rwandaise et nous venons pour manifester, pour demander à ce que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités pour reprendre Bunagana et que les paisibles citoyens qui sont maintenant en déplacement puissent revenir dans leurs milieux habituels. Et pensez-vous que cette paix, comme la communauté internationale commémore cette journée dédiée à la paix, est-ce que pensez-vous que la population du Nord, qui vous de l'Est en général, peine à avoir cette paix tant attendue? La population du Nord qui vous peine à avoir cette paix depuis cela 25 ans. C'est depuis 1994 que la guerre a commencé ici. Et c'est une suite logique de la guerre qui a commencé depuis le Rwanda, depuis le génocide rwandais. Et nous, pour nous, c'est pour ça que nous ne voyons pas, nous n'avons aucune raison de célébrer la paix. Parce que nous avons soif de cette paix. Nous sommes là pour demander cette paix pour laquelle nos amis sont morts, pour laquelle nos vaillants militaires sont tombés sur les champs de bataille. Et pour nous, c'est une moquerie et c'est un sentiment d'abandon de la part de la communauté internationale qui ne cesse de faire preuve d'échec et d'inefficacité au Congo avec une mission éléphantesque et budgétivore, mais qui n'arrive pas à restaurer la paix ni à protéger les civils telle que la mission de l'ONU l'indique elle-même. Les propos du secrétaire général des Nations Unies suscitent colère et indignation. Comment la lutte analyse cela? Pour nous, c'est avant tout des propos hypocrites, des propos moqueurs, des propos irresponsables et des propos médiocres de la part d'Antonio Guterres. On rappelle que c'est le secrétaire général des Nations Unies. Il a eu le poids de dénoncer Poutine. Il a eu le poids de dénoncer la Russie dans l'agression ukrainienne. Mais il a eu du mal à dénoncer le Rwanda. Et pour nous, c'est une complicité. Et c'est irresponsable de la part des Nations Unies de ne pas avoir les kilos de dénoncer le Rwanda. Après que même les experts des Nations Unies aient fait des recherches et aient prouvé l'implication du Rwanda dans l'agression congolaise. D'où nous pensons que ces propos sont médiocres et c'est une preuve suffisante que la MONUSCO est nulle et la MONUSCO n'a pas de sens d'être ici au Congo. Elle devrait rentrer afin que le gouvernement congolais reprenne les leads et soit responsable de tout ce qui est question sécuritaire au Nord Kivu. Qu'en dites-vous de la MONUSCO qui persiste? On a vu plusieurs manifestations, mais cette mission onidienne, elle est toujours au Congo. C'est quoi la suite? C'est une inquiétude de notre part.
on ne sait pas comment est-ce quelqu'un qui est venu nous aider et dont après son aide, on dit qu'on ne veut plus de son aide, mais qui ne veut pas quitter. Pourtant lui-même, il avoue qu'il n'est pas capable de nous aider. Et du coup, nous ne comprenons pas cette complicité ou cet effet d'insistance de la MONUSCO. D'où nous pensons que comme Antonio Guterres a avoué personnellement que la MONUSCO n'est pas capable d'anéantir les M23, que c'est un aveu d'échec. Et la MONUSCO n'a plus des options. La seule option qui reste à la MONUSCO, c'est de faire bagage et de rentrer. Et afin que le gouvernement congolais prenne la relève de ce qui est question d'ordre, sécurité, honneur. Merci. Merci, merci. Monsieur Mounouka, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Décrenons la situation aujourd'hui, lundi 26 à Goma. Nous avions appelé la journée ville morte à partir d'aujourd'hui, lundi 26. Et nous voyons la situation, la population, compris les mots d'ordre des mouvements citoyens. C'est maintenant que certaines activités commencent un peu à fonctionner. Mais d'autres là qui ont essayé d'ouvrir leurs portes, ils ont compris qu'il faut compatir avec d'autres compatriotes de Bunagana, de Rutshuru, de partout ailleurs. Ils ont fermé aussi leurs portes. Qu'est-ce qui s'est passé le matin? On a attendu des coups de balle partout dans la ville. Oui, c'est la police qui voulait intimider certaines personnes qui ne voudraient pas ouvrir leurs portes, monsieur le journaliste. Puisque la population a compris certainement qu'il y a ici là aussi qui voudraient s'en prendre ou bien d'autres, mais ils ont compris que nous ne sommes pas des violents. Et comme nous ne sommes pas des violents, on a observé la journée ville morte, sauf qu'on condamne cet agissement de la police qui tire nos balles avant qu'il vaille sans savoir que ces balles sont dotées à la police par les contribuables congolais, monsieur le journaliste. Et la MONUSCO, elle est toujours là. Oui, la MONUSCO est toujours là, mais cette MONUSCO, on l'avait dit, c'est l'ennemi du peuple congolais. Et nous allons les chasser des griots de force, monsieur le journaliste. Même le chef de l'État, il a dit au Conseil des Nations Unies, même le secrétaire général des Nations Unies, ils ont compris leur inefficacité. C'est que cette MONUSCO, mais il ne circule pas, comme on l'a dit, qu'il ne puisse pas circuler sur le sol congolais jusqu'à ce qu'ils vont se retirer. Et vous allez continuer à manifester ou c'est comment? Oui, aujourd'hui c'était la journée ville morte qui doit se passer aujourd'hui et demain. C'est qu'après ces deux jours de journée ville morte, c'est là où nous allons commencer des manifestations de grande envergure pour réclamer la fin de l'état de siège, retrait de la MONUSCO immédiate et la récupération de Bunagana. Est-ce que on peut dire qu'en dépit de tout ce qui s'est passé, on peut dire que la population vraiment souffre contre la paix? Oui, la population, ils ont compris. Vous voyez le mouvement, vraiment, il n'y a pas de mouvement. Alors la ville de Goma, on peut avoir les circulations au moins plus de 10 000 engins par jour. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est là qui ont essayé d'évacuer les occupations, ils ont fermé. Et des motards, vous voyez, sont en train de rentrer à la maison parce qu'ils ont compris que Bunagana fait partie de la RDC. Ils ont compris que l'état de siège, c'est un danger. Ils ont compris que la MONUSCO, c'est aussi une M23 qui se cache, monsieur le journaliste. Quel message que vous avez envie de transmettre à l'ONU? Le message que nous lançons à l'ONU, qu'ils puissent comprendre le vœu de la population. Et le vœu de la population, c'est de demander que la MONUSCO se retire au Congo. C'est que l'ONU doit comprendre que cette mission onusienne, ce qui se trouve ici chez nous, cette MONUSCO, c'est inutile. Les Congolais ne veulent plus de la MONUSCO. Ils doivent se retirer dans l'urgence et calmement. Puisque s'ils continuent à résister, vous allez voir qu'il y aura des pires, monsieur le journaliste. Peut-être la dernière question, on a appris que les contingents kenyans sont déjà sur le sol congolais dans le cadre, bien sûr, de la mutualisation de la force de l'air, sécurité contre les contingents en RFC et mon fantassin. Non, ces contingents ne sont pas venus pour le compte de la MONUSCO. Ils sont venus pour la mutualisation des forces l'ARC. Mais nous étions dit que nous allons d'abord observer. Mais par après, nous allons faire notre déclaration que nous allons préciser à la population. C'est que la paix, c'est l'affaire de tout le monde, monsieur le journaliste. Nous voulons la paix, nous ne voulons plus la guerre. C'est là qui vont nous amener la paix, qui ne soit plus comme la MONUSCO. Mais nous craignons que dans cette force, que l'agresseur puisse encore s'infiltrer dans cette force. Voilà nos inquiétudes. Merci. Mwana zaliwa anazaliwa muvita na takufa tu na haone amani ya inji yake.
Il est très de naissance. Je vous paye une qui est dominé à pas. Tout comme vous payez, tout mettre quoi ça va virer. Ni chaque fois ça va nier les attaques prisonniers, mais comme mon zenzé, on a ni chingé, mais même ni comme ça. Qui l'ombo et Kwanza et attache Kwanza va le battre à Monisco. Je sais tout qu'on a gigara mia. Mia pas ni comme maso. C'est même la pandac à mia peke peke. Mina pandac à mia peke ni comme maso à pas. Mina gigara mia maisha yangu. Mina kusudi mtoto wangu asome. Tuko nalipa franga za masomo si wazazi hatukosi hata kitu. Yeye arudisha Monisco yake, si watoto tuwasome kizi tutajiweza. Kama yeye anashindwa, aseme tuko na watoto tutajigara mia dola tupigana. Hatutaogopa ta. Kizi unaniona pa sita niko na 50. Mimi niko na watoto wote na iletre juu ya matasi yetu tunaona mpe yetu. Monisco iende tutapigana tu hadi iende. Hatutaogopa ta kukufa. Sasa tuambie kaka. Na wewe unataka ongezea nini? Ziana ngai na sola kalingala. Ngaso kalingala za benisie. Na uti na bena za kombata benisie. Na tuko avancer. Na za kotopa kwa kompatre vina ngai. Omoni ngane te moni nga kotoyo. Nga na za benisie anza orfele. Na ya kote pona bitumba. Na komange lo kote. Omoni beskatrice nga na za nango. Soki titia za na posa kimia. Abesa kabiso kimia. Soka na posa bitumba nga benisie bavyana nga basi baninga nga so basi bakufa no combattre tina sena za combattre tina suka robin ni bona Monisco nga Monisco na za posa Monisco te soka ta soka ba pese so anduki to ko boma wango to posa Monisco te koto to za na buene to posa ta baninga na te nga na zo fele ya bana mama pona Monisco mana massacre. Sio za kobunda kaka, na kobunda. Na lobi via vi, sio da komona. Toa ba benisie bio toza kongole bana nor kifu to tonyo kama pona biloko pamba. Bango baza kuna ba okasualite ba okalingala, na osalingala pona za benisie. Sio na makufa ka, pona biloko pamba, na kombal tetina suka. Sio ke za loko ba mai mai ata ba polisi ba babo ambiso. To kombal ba ni hoiso akufa ko toyo. To kufa.